www.lascene.info. Au printemps. Alors moi, c'est un printemps en trois volets. Le premier s'appelle Déception. Aujourd'hui, c'est le printemps. Il fait doux, presque tiède, et les premières effluves de nature en éveil nous caressent les narines. Il y a comme un air de renouveau. Pourtant, la Jeanne, là-haut, qui l'attendait, est déçue. Pour elle, il n'est pas venu. Elle avait compté les jours et même ses sous. Cette année, c'était sûr. Elle allait vraiment se laisser aller et en profiter. Pour une fois, elle ne se raisonnerait pas. Après tout, toute sa vie, elle avait travaillé dur. Elle pouvait s'offrir un peu de plaisir. Mais voilà, il n'était pas venu. Pourtant, au téléphone, on lui avait certifié que le 21, il serait là. Pour le printemps, évidemment. Elle l'avait même imaginé avec de longues jambes, une ceinture fleurie un peu clinquante, une chemise courte d'un blanc étincelant qui ferait ressortir son bronzage. Elle le voyait. Sexy, juste ce qu'il faut. Élégant, mais pas prétentieux. Original, mais pas ridicule. Classe, quoi. Au lieu de cela, elle était assise sur son vieux banc en mélèze, à regarder s'éloigner le facteur qui ne lui avait rien apporté. Des factures, elle s'en passait volontiers, mais de lui, non. Aussi, quand le Francis arriva avec un bouquet de perce-neige, les premiers qui avaient fait leur apparition, la Jeanne fondit en larmes. Le Francis gêné ne sut comment réagir. La Jeanne ne pleurait jamais. Des perce-neige, il y en apportait depuis si longtemps, chaque premier jour de printemps. Et ceux de cette année étaient encore plus beaux qu'à l'ordinaire. Jeanne réalisa l'étrangeté de la situation. Le Francis, planté comme un grand benêt avec son bouquet, dont il ne savait plus que faire, se tortillait devant elle, sans savoir comment se comporter. Elle sanglotait par vagues, sans pouvoir se contrôler, reniflait bruyamment en hoquetant des paroles bizarres. « Pour moi, il n'est pas venu. Je l'attendais en comptant les jours. J'avais tout prévu, tout calculé. J'étais décidée à faire le pas. »« Quel pas ?» lui demanda timidement le Francis. « Tu ne peux pas comprendre, » répondit la Jeanne en s'engouffrant dans la grange dont la porte était restée entrebâillée. Le Francis, perplexe, attendit un instant. Puis, comprenant qu'elle ne reviendrait pas, déposa sur la margelle du puits les personnages un peu flétris. Il partit convaincu que décidément les femmes étaient vraiment une drôle d'espèce. Deuxième volet. Au siège des trois doutes. Branle-bas de combat à la rédaction. Le premier jour du printemps est passé et il ne s'est rien passé. Il y a eu des erreurs de mise en page, des circonstances malencontreuses en cascade. On ne sera jamais prêt à temps. On a dépassé les délais. Le va-et-vient des chefs de projet, des maquettistes, des pigistes, des photographes ajoute une profonde atmosphère d'angoisse à la situation. La production nous presse, on doit boucler. Passant les tarifs, comment tu veux faire? Nous sommes coincés, dans une impasse quoi. Les concurrents vont nous devancer, c'est mauvais pour le chiffre. Ça va nous coûter cher, très cher, trop cher. Le directeur fait son entrée. Ce qui ne modifie en rien la tension ambiante. Les réflexions fusent de plus belle. Tout ça parce que la chaîne a débrayé toute la semaine dernière. Le directeur parvient à s'imposer, expliquant que le temps perdu ne se rattrape jamais et qu'il avait bien prévenu les grévistes. Le printemps, c'est le 21 et ça depuis toujours que je sache. C'est d'autant plus stupide que cette année, il s'annonçait plus beau que d'habitude. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a qu'une solution, dit le directeur. Et vous savez laquelle, les gars? Bosser tout le week-end, non, moi sûrement pas. Ma femme commence à en avoir assez de mes horaires et pour ce qu'on est payé en plus. Tu veux couler la boîte? Non, mais je veux juste un peu de respect. On nous presse côté citron et quand il n'y a plus de jus, on nous jette. Calme-toi, Benoît. Non, je ne me calme pas. Avec toute la famille, on a prévu depuis des semaines de monter au chalet le premier week-end de printemps. La Jeanne, notre voisine, nous prépare une fondue, chauffe la maison, fait un bon feu dans la cheminée et nous donne des boules de pain qu'elle a cuites au four du village. On ne peut pas faire ça à la Jeanne.
Le ton est monté dans la salle. Il y a ceux qui veulent rester, il y a ceux qui ne veulent pas rester, et il y a ceux qui ne peuvent pas rester. Conclusion, chacun fera comme il veut, annonce le directeur. Benoît ne demande pas son reste, attrape son caban et regagne le parking à la hâte. Ce soir, ils seront tous au chalet. La Jeanne a laissé un message. Tout est prêt et il y aura même des bugnes et du cidre de l'automne. Lundi, il sera bien temps de reprendre le travail. Troisième volet. Fête de printemps au village. Mon Dieu, que le week-end passe vite. Oui, enfin, ça dépend pour qui. C'est la fête de la terre au village, et dès le samedi soir, pour tout le dimanche. Benoît l'avait oublié. C'est pourtant toujours le premier week-end qui suit le 21 mars. Toute la journée, Benoît et les siens ont profité de la nature. Quelques violettes odorantes pointent le bout de leur nez. Par-ci, par-là, on découvre avec ravissement une touffe de primes vertes. Les grands mélèzes se déchargent à l'occasion de gros paquets de neige, comme s'ils voulaient perdre leur lourd manteau d'hiver. L'air est frais et vivifiant. Nous sommes en altitude. Pour le ski, il est trop tard, mais chacun a été ravi de la balade en raquette sur les Arolles. Après un bon blanc chaud et quelques bugnes rescapées de la veille au soir, chacun va à ses occupations, oubliant les vicissitudes de la grande ville et les turpitudes de la vie professionnelle. Vers 18h, tout le monde est prêt à descendre au village. Les Parisiens aiment se faire voir. Ça flatte les villageois, pensent-ils, non sans une certaine arrogance. Qu'importe au fond, joie et bonne humeur sont de la partie. Les vieux du bourg se sont fait beaux. Il y a même quelques femmes en costume savoyard. Les enfants sont ivres de liberté. Tout le monde se connaît et la peur du méchant n'a pas encore contaminé les villageois honnêtes et travailleurs. Quelques jeunes filles, malgré la fraîcheur, arborent des tenues printanières dans lesquelles elles ne doivent pas avoir très chaud. Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas? Du côté de l'église, on vend des crozets, des confitures de myrtille et de framboises locales, des bouteilles de cidre, du miel de sapin et bien sûr des bugnes. Il y a des stands de jeux d'hiver, course en sac, pêche à la ligne, tir à la carabine. Benoît s'essaie au stand de tir sans grand succès, jusqu'à ce qu'un gars du hameau, pris sans doute de pitié par la maladresse du Parisien, lui prodigue quelques conseils. Sympa ce gars, pense Benoît. Un peu rustre, mais sympa. Maintenant que vous savez vous y prendre, je vous laisse. Je retourne à mon poste. De toute façon, dit Benoît, j'ai fini mes cartouches, alors je vous suis. Sur un étal, des bouquets de personnages sont alignés dans des pots remplis d'eau. Benoît se sent obligé d'acheter quelques bouquets qui, il le sait déjà, ne résisteront pas au voyage de retour vers la capitale. Il les laissera à la Jeanne. En fait, ce ne sont pas les personnages qui intéressent Benoît, mais la hotte tressée emplie d'herbes aromatiques. Hélas, elle n'est pas à vendre. Ceci dit, je peux vous en tresser une l'hiver prochain si vous êtes intéressé. Avec plaisir. Échange de coordonnées respectives sur un coin de l'étal. Benoît de la Pierre, 17 rue du Jasmin, Paris 15e. Francis Chenal, impasse de la Chapelle, la Ravoire en Savoie. Après une franche accolade, nos deux amis se séparent. Il se fait tard. Si on veut revenir demain, les enfants doivent rentrer. Benoît rassemble sa tribu et s'éloigne vers le chalet par la montée du lavoir dans la nuit claire et glaciale. Regardez, il n'y a qu'ici que les cieux ont une telle pureté. Sur le seuil du chalet, la Jeanne attend pensive. Alors la Jeanne, on n'est pas venu à la fête? Vous auriez pu descendre avec nous. J'avais rien à me mettre. Allons, allons, vous êtes toujours guillerette. Surtout ne changez pas, c'est comme ça que l'on vous aime. Eh bien moi, je ne m'aime pas. Tout va de travers dans ma vie. J'attendais le printemps, il n'est pas venu. J'avais juste le temps avant la fête de la terre. Encore un coup de ces fainéants de travailleurs étrangers qui ont pris du retard pour la sortie du catalogue. Jeanne, de quel catalogue parlez-vous? Ben, du catalogue du printemps, pardi. Le pantalon à longues jambes, la ceinture clinquante, la chemise courte, eh bien je ne les veux même plus. Allez, va. Je vous réveille demain comme convenu. Bonne nuit. www.lascene.info